Alors bonjour les amis, nous allons commencer une petite série de vidéos sur l'e-chess. Donc nous allons commencer par une petite série d'entraînements sur les problèmes tactiques. Donc alors problème. Voilà. Donc ici, les blancs déplacent leur tour en D1. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que cette tour est protégée par la dame. Il y a une menace ici. On voit que les blancs sont beaucoup mieux. Ils ont trois pions de plus. Donc, je pense que là, il y aura au moins, au bas mot, le gain d'une pièce. Tour prend. Si je fais tour prend, je menace mat. On reprend. Je vois que la dame est enfermée là. Elle ne peut pas intervenir. Tour échec. Alors. Sur un coup. Oh, il peut aller là ou là. Il a deux coups. Il peut monter si je veux. Il peut monter. Il peut aller là. Donc, je mets tour ici. Je pense que tour prend, c'est pas mal. Je sors le roi de sa cachette. Échec, le roi rentre là. Comment lui faire un échec après? Bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, comment on peut jouer? Échec, tour prend, ça donne rien. Par contre, un coup comme tour ici. Tour ici. Surprend. Il y a un mat. Ah, peut-être encore plus fort. Dame ici. Menace. La tour. Peut-être ça a l'air pas mal. La tour ne peut pas prendre. Ok, mais bon. Dame ici. La tour. Dame ici. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Alors, il n'est pas évident ce coup. J'aime bien ça. Surtout prendre. Donc, elle ne peut pas prendre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent un autre coup. Disons que. Qu'est-ce qu'il peut jouer? Tourne, tour prend, échec, tour revient là, protéger, ça marche pas. Là 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 là. Alors, qu'est-ce que c'est le coup? Tour ici, tour prend, dame prend, dame ici, dame ici. C'est intéressant ça. Alors, tour là, si la tour bouge. L'idéal, ça serait que. On apprend. Dame échec. Bon, il rentre là. Tour ici. Menace mat. Un tour ici, ça peut marcher. Il n'est pas évident. Dame ici. Dame ici. Je peux jouer un coup comme ça. Tour prend. Dame prend. Tour ici. Attaque la tour. Alors, tour ici, attaque la tour.
t'en prends, on va prendre. Je trouve pas. J'hésite entre la dame là et la tour ici. C'est quoi la différence si je mets la tour là? Dame ici. Tour prend. Roi prend. Tour échec. Voilà. La différence, elle est que madame, elle sert à dame échec. Voilà. Dame ici. Sa dame, elle est en l'air. Comment faire? Dame ici. Tour prend. Échec et mat. Qu'est-ce qu'elle peut faire la tour si je viens ici? Et il n'est pas évident celui-là. Je pense qu'il doit y avoir un réseau de maths là. J'arrive pas à le faire marcher. Dame ici, c'est pas mal. Il peut pas prendre. Par contre, j'arrive pas à voir la suite parce que la tour est protégée. Par contre, si je ramène ma tour ici et que la tour bouge, je vais jouer ça. Ou je joue ma tour ici directement. Je joue ma tour ici directement. Ou ma tour là. J'ai plusieurs coups en ma possession. Alors, qu'est-ce qu'on joue? Tour ici, dame ici, tour ici, voilà. Au tour point. J'ai quatre coups candidats. On va regarder celui-là. Alors, tour prend, menace mat, roi prend. Voilà. Tour échec. Le roi, il revient là. Et je peux plus faire d'échec. Donc, on va faire échec avec le roi. Tour prend, roi prend. J'ai dame échec ici. Dame échec ici. C'est pas bon. Dame échec. On rentre. Et je vois pas de suite. Donc on laisse le coup candidat. On laisse tomber. Alors comment on efface ces flèches? Ok. Maintenant on va regarder celui-là. Alors tour ici. Attaque la tour. Tour prend et mat. Donc soit la tour elle bouge. Soit la tour elle bouge. Admettons qu'il se fasse une fenêtre. Admettons qu'il se fasse une fenêtre. Ah, il n'est pas évident celui-là. Alors, dame ici, ça marche pas. Dame prend, tour prend. Dame là, dame prend. Si je fais dame ici, tour ici. Ici. Tour ici. Je ramène ma tour ici. Comment il protège une fois de plus ce pion? Ça a l'air pas mal tout ça. Ça a l'air pas mal là. Alors dame ici, il ramène sa tour. S'il joue ça. Ce coup est intéressant aussi. Dame ici, j'attaque ici, tour là. Je ramène
encore un attaquant. Comment il peut protéger ça? Ouais, je mélange, je joue ça. Mais c'est pas ça. Ce n'est pas le bon coup. Voyons si j'y... Bon, notre coup candidat. Non. On avait dit ce coup. Non. La prise. Non. Ah bah écoutez, je n'avais pas de coup. Je n'avais pas trouvé le coup. Ah, c'était la tour. Dommage. C'était la tour, le coup candidat. Ah, je pense qu'il faut prendre. Ok. Alors, échec. Échec. Tour prend, dame prend. Tour prend, roi prend. Et là, je peux faire échec. La tour est protégée. Échec. Échec. Je ne peux pas prendre la tour. Échec. Voilà. Dame échec. On prend. Ça marche pas. Prend. Non. Intéressant ça. Ici, pour rien. Alors, dame ici. Ça marche pas. Il n'est pas évident celui-là quand même. Celui-là, il est balèze. Il est classé combien cet exercice? Il est classé 2244. Il n'est pas évident. Il est vraiment pas évident. La menace, c'est qu'il vient avec sa dame. Attaqueur. Alors, si je fais ça, ça peut-être. Non. Voilà, je peux. Si je viens là, par exemple. Non. Tiens, on va regarder la solution, hein. C'est pas évident. Hein. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est pas quand même pas ça. Oui, c'est ça. Il devait y avoir, voilà, des échecs intermédiaires. J'avais regardé ça, j'avais regardé la dame ici, mais la tour est protégée. C'est celle-là qui est en l'air. On va voir, en faisant une succession d'échecs, la possibilité de récupérer la tour. Eh oui, c'est pas bien. Voilà la solution. Voilà. Bon, c'est pas la forme olympique, donc on va se faire une petite partie. On va continuer nos. Alors, soit on fait un blitz, soit on fait une partie longue. Nous allons partir sur un blitz. 5 plus 4, ça me permet un peu de commenter. Donc on va faire classer. Donc au niveau des élos, on va choisir la plus grande tranche. Et on va laisser le choix à l'ordinateur de nous trouver un adversaire. Voilà. Donc là, on est classé à 1653. Bah, c'est juste, on a joué qu'une partie. Hein. Donc là, je suppose qu'on risque de d'avoir un adversaire un peu plus fort que la fois dernière. On va essayer de jouer doucement. Voilà, ok. Cavalier F3, intéressant. Bon, là, je joue ça. Oh là là. Ça, c'est le style d'ouverture. Orang-outan. L'idée c'est de jouer là et de jouer sur la diagonale. Si je joue ça, il y en a, ça me laisse le temps. Par contre, son idée des fois c'est de jouer des coups comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il fait insister. Il y a des idées comme ça des fois. On va se prendre. On essaie de le. Si je joue ça. L'idéal c'est. Ah, il m'empêche, il veut mettre la pression là. C'est pas mal ce qu'il joue. Tac. On va jouer un système.
Allez, on va jouer une sorte de triangle là. On va jouer, bon, j'ai pas trop de défense contre ça. Il va falloir que je regarde un peu. On va essayer de jouer logique. Alors un peu, ouais, il est pas mal le gars. Alors ok, il commence de suite à mettre la pression là. Voilà. Si je joue ça, il va bouger son cavalier. J'ai envie de mettre mon fou là. Ouais. Bon, on va jouer comme ça, tant pis. On va jouer vraiment passif. Là, j'attaque son pion. Donc, il va falloir qu'il le défende. Ok. J'ai envie d'opter pour un. Si je joue ça. J'avance. Alors. On va essayer de jouer simple. Hein. On va attaquer son centre là. Et s'il avance. Bon, je vais jouer ça. Avec l'idée de jouer un coup comme ça. Ok. Donc je joue ça. Puis on pousse, puis on prend. Fou, échec. Fou là. Cavalier là. Ça a l'air d'être pas mal ça. Allez. Ok. Donc là on prend. L'agressif lui. Hein. Puis on prend, cavalier prend. Bon, moi je vais roquer. Sur pion prend, je fais cavalier prend. Ça a l'air pas mal. Ah, il va me jouer ça. Il va gagner un temps. Ok, je rock. Il faut que je joue un peu plus vite. Ok. Il a l'air de connaître son sujet. Intéressant ce qu'il fait. Alors. Moi, je vais jouer là. Je vais jouer là. Je vais jouer là. Ok, on va jouer là, on contrôle cette case qui a l'air importante. Et là, je vais jouer ce plan de développement. Non, ok. Une menace de prendre, fou prend, dame prend. C'est pas mal ça. Je vais faire ça, fou prend, dame prend. Je centralise ma dame. Fou prend, dame prend. Alors si je fais ça, il prend, je prends. Il rentre avec sa dame ici. Qu'est-ce qu'il menace? Il menace mon fou. Je reviens ici. Je protège tout. Dame prend, fou prend. Ok. Qu'est-ce que je peux jouer sinon? Cavalier là. Si je fais ça, je vais surcharger ma pièce. Faut prendre, on prend. Ah là 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 là. Si je fais cavalier là, voilà, je vais rester comme ça. Voilà, je vais jouer ça quand même. Je reviendrai avec ma dame ici. Pourquoi venir là? Non, allez, on y va. On va pré-mouver, on va essayer un peu de jouer plus vite, parce qu'il me reste plus que. Il me reste plus beaucoup, comme on dit. On va essayer d'activer. Ah, mon rêve, ça serait de mettre mon fou là. Là, je me libère. Hein. Je me libère. Fou prend, dame ici. Je reviens ici. J'ai mon fou. On essaiera d'échanger. Ok. Ah, c'est intéressant ce qu'il fait là. Donc là, maintenant, il me laisse le temps de jouer ça. Ok. Ok. Donc là. Ok. J'ai envie de te dire, soit je joue ça, fou prend, dame prend, je gagne un tempi. Le problème, c'est que. Ouais, il est protégé avec mon fou. Allez, on y va, il faut activer la cadence. Là, je menace une tour. Et je menace mon fou. Ça a l'air d'être intéressant. Ok, là, je menace sa tour. S'il prend là. Obligé de prendre. Ok. Intéressant ça. Faut prendre, puis on prend. Alors, voyons un peu. Cavalier là. On va faire cavalier là. Cavalier là, cavalier là. Allez, on y va. Cavalier là, je vais mettre une tour ici.
Je vais essayer d'attaquer sa dame. Aïe, aïe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dit là? Son cavalier, il veut la mener. Cavalier là. Allez, on a dit qu'on mettait une tour. On met celle-là ou l'autre? On va mettre celle-là. On va mettre celle-là de tour. On attaque sa dame. Alors, qu'est-ce qu'il peut jouer? Ok. Là, il a joué sa dame ici. Cavalier là, cavalier là. Ok. J'ai presque envie de doubler, moi, maintenant. Voilà, protéger comme ça. Cavalier là, ça marche pas. Alors, je vais jouer. Faut que je ramène mon cavalier. Je vais venir là. Là. Allez, on y va. Je vais faire ça et ça. Ou même là. Essayer d'y poser quelques questions. Ok. Alors là, je joue lequel, le cavalier? Cavalier là. Cavalier là. Ouais, je vais faire ça. Cavalier là, je libère au moins mon. Là, on va pré-mouver. Là, je suis pas bien autant. Je suis pas bien autant. Ok, il joue le pion, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc cavalier là, ça marche pas. Alors qu'est-ce que je peux bien faire là? Qu'est-ce que je peux jouer? Cavalier là. Ouf, j'accélère. Cavalier là, je vais revenir là. Allez, on y va. Je vais faire ce plan. Et bon, pas évident. Il veut tout échanger. Ouh. Faut que je ramène madame à la rescousse là. Faut que je ramène madame à la rescousse. Comment faire? Fou prend. Cavalier prend. Aïe 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 aïe. Cavalier là. Tour prend. Ah, je suis embêté là. Je vais faire quelque chose comme ça. Tour prend, fou prend. Dame ici. Allez, on y va, je suis obligé de ramener madame comme ça. Cavalier là, ok. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend du cavalier. On prend du cavalier, il va falloir ramener la dame. Quand même assez embêtant ça. Il a bien joué. Ok, je reviens là. Et s'il rentre là, je suis mal. Je fais un coup de fou prend. Pas le choix. Ok, alors fou prend, cavalier là, je vais venir cavalier là. Cavalier là, je vais en jouer. C'est pas évident. Je suis pas bien au temps. 13 secondes. Ça va être très très dur à gagner. Là, je m'appelle. Ok, là je menace là. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut venir là. Cavalier là. Ok. Est-ce que c'est grave ça? Ah, c'est pas mal ce qu'il a joué là. Je viens où avec mon fou là. Je vais venir là. Je vais venir là. Mais bon. Dame ici. 10 secondes. Il faut que j'active ma dame. Si j'arrive à mettre ma dame ici, c'est pas mal. Alors, dame ici, ça serait bien. Dame ici. Ah, je peux prendre ça. Mais je peux pas déplacer madame en fin de compte. Hein. Ok, c'est bien ce qu'il fait là. Il a bien joué là. Puis on prend, dame échec, et il gagne ici. Ah là 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 là. Ah purée, j'ai perdu autant. Ah, si je prenais, il me faisait une petite fourchette sympatoche. Ah, il a très très bien joué. Il a très très bien joué Cordobès. Bon, nous allons analyser la partie. Je trouve qu'il a vraiment bien joué pour un niveau 1600. Alors, voyons un peu. Alors, voyons un peu. Dame C2. Il a joué Dame C2. Seul coup.
Cavalier, plusieurs coups. Je jouais la dame ici. Je pouvais prendre là. Ouais, j'étais vraiment en manque de temps. Bon, voyons un peu. Voyons un peu où on a pêché. Alors, au niveau d'ouverture. Donc c'est quoi cette ouverture? Reti opening. Ok. B4, G6. G6, E6, D5. D5. Là, jusqu'à là, on joue la théorie. Fou B2. E6. E6. On a joué le meilleur coup. A3. J'avais pensé à jouer ce coup-là. Moi, j'ai joué A6. Mon idée, c'était de jouer ensuite là. A5. A6. Donc, j'ai joué là. J'ai joué là. J'ai envoyé C5, c'est pas mal. Il a pris. J'ai pris. Donc, Ok. D4. C4. Ah, j'aurais dû prendre peut-être. J'aurais dû prendre. Bon. Ah, c'est pas mauvais hein, ce que j'ai fait là. Alors, c'est où que j'ai pêché? Là, il a pris. Là, on sort de la théorie. Ok, alors voyons un peu. Jusqu'à là, je me mets. J'ai fait 3 gaffes, il n'a fait qu'une seule gaffe. Voyons un peu. Alors ici, j'ai joué la dame là. Mais là, qu'est-ce qu'il fallait que je joue? Cavalier là, peut-être? Je voulais activer ce cavalier et peut-être pousser alors. Peut-être pousser. C'est vrai. La poussée, je l'ai. Non, je perdais mon cavalier là. Donc c'est pas possible. Donc qu'est-ce que j'aurais pu jouer dans cette position là? Cavalier là. Dame ici peut-être. Non. On passe quoi alors du cavalier là? Ouf. 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 Cavalier là. Alors là. On peut faire un échec, mais bon. Ok. C'est vraiment puissant ça. Ensuite. J'ai peut-être joué mon cavalier là pour ouais. Dame ici. Oh, c'est pas bon. C'est pas bon là. Je suis à... Il y a moins de 2 les blancs. Il y a un bon coup. Peut-être celui-là alors de coup. Ici alors. Non. Peut-être jouer ça. Ça peut-être. C'est ça, même pas. Voilà la solution. Il voulait que je prenne le pion. Là, c'est un échec ici. Oula. Si la dame bougeait. Ouais, t'es pas évidente cette partie quand même. Hein. Il attaque mon fou. Je peux le mettre où le fou. Ici il faut prendre puis on prend peut-être non la solution fou ici revenir au vercail et il a trouvé le bon coup hein. Le sacrifice au cavalier il fallait le voir quand même hein, en jouant voilà. Moi, je m'étonne quand même sur son classement hein. C'est quand même assez
Le gars, il est à 2266 en lan, 1644 en but. Voilà, je trouve ça un peu assez bizarre. Bon, c'est pas grave, on a perdu. Écoutez, on fera mieux la prochaine fois. On essaiera de jouer surtout plus vite parce que c'est plus par rapport au temps qu'on a pêché. Parce que la position, surtout ouverture, on était bien, quoi. Et ensuite, j'ai raté un gain. Bon, bref. Voilà pour aujourd'hui. Donc, bah écoutez, comme la partie était rapide, on va refaire notre partie. On ne va pas rester sur une défaite. Alors, créer une partie. On reste sur le blitz. Et on attend un adversaire. On va essayer de jouer surtout plus vite. Car la clé au blitz, c'est la rapidité et la précision. Mais quand on a du temps, on est plus précis. Alors voilà. Donc là, on est classé maintenant à 1527. On a bien perdu, hein? On monte, on descend. On va essayer de. Ok, on a les blancs. Allez, c'est parti. C'est parti. Ok. On va jouer un système Jobava. Ok, là, son idée c'est de jouer ça. Je pourrais rentrer dans une française. Je pourrais rentrer dans une française. Je vais rentrer dans une française, on s'amuse. Que je connais pas. Hein. Je jouais avec les noirs, mais avec les blancs, alors là, c'est l'inconnu. À la rigueur, je serais content qu'il me joue le fou. On rentrerait dans une vinavert. S'il joue ça, il a plusieurs coups candidats. Déjà, ça le fait réfléchir. Alors, Foula. Ok, ça c'est pas mal. Donc là, je vais pousser.